Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour ce deuxième épisode bonus sur mon let's play sur le jeu Prison Architect. Et donc, comme promis, voici un second épisode bonus sur ce jeu, mais je suis en train de me répéter là. Et donc, dans cet épisode bonus, nous allons en fait passer en mode escape. Le mode escape mode, qui est le mode où on s'échappe, on essaie de s'échapper d'une prison, donc il suffit de sélectionner une prison pour essayer de s'échapper. On va lancer la prison que j'ai construite. Et on va voir si j'arrive à m'échapper. Alors, un truc, c'est que je n'ai jamais joué à ce mode. C'est la première fois que j'y joue. Step 1, Reputation. Reputation mean everything here. Ah, voilà. La vitesse de la souris qui était pas bonne. Step 2, Squad. Recruit another urgent escape attempt. D'accord, donc il faut faire une équipe de. Une escouade, une suicide squad pour aller s'échapper. Et contrebande. On aura besoin des armes et des outils. Et les tunnels, si tu veux te barrer. D'accord, ok, bon bah on va tenter de s'échapper. Donc en fait on se sert de la réputation si j'ai bien compris. Je vais essayer de... Genre si on essaie de se casser, parce quoi. Ah d'accord. Donc on a de la réputation. Attends, ça va être un peu long tout ça. Allez, accélère un peu. Donc le jeu gère tout seul sa prison actuellement, donc on est plutôt tranquille. T'es galère à venir me mettre dans la prison. D'accord, ensuite la réputation permet de mettre des points, d'accord. Ok. Donc on peut taper... Ok, je suis en train d'essayer là en fait. Hein. Oui! What the fuck? What? Ah mais ça allait vite en évasion. Hein. Ah merde! Bon bah voilà, fin d'épisode bonus, on se casse! Oh putain! Bon. Comment dire? What? C'était un petit peu simple. C'était un petit peu simple. On se relance? On peut essayer de se relancer. On va essayer de relancer. Je vais essayer de la jouer un petit peu différemment. Parce que là, j'ai bourré en fait. J'ai tout simplement bourré. Et dès que je suis sorti, tout le monde a essayé de me foncer dessus. Mais j'allais un peu plus vite. Ouais, c'est un peu débile. Du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement moyen de casser le game en faisant ça. Genre là, si je me barre maintenant... Ah, raté. J'ai pas le temps. D'accord, ouais, non, mais il y a tellement moyen de casser le truc, du coup. Bon, bah voilà, j'ai réussi l'épisode. On peut se casser. Mais apprends à diriger. Enfin, je sais pas, tu mets tes épaules en avant et tu peux traverser une foule comme ça, facilement. Ok. Maintenant, on va aller choper de la réputation. Je sais pas comment on peut faire d'ailleurs. Putain, qu'est-ce qu'elle est mal entretenue cette prison. Il y a de l'herbe partout. S'il te plaît, ouvre-moi. Maintenant, je peux faire quoi ici? Oui! On se tape! D'accord. Je suis inconscient et en plus je suis en prison. Bon d'accord, c'était peut-être pas la meilleure idée. J'en conviens. Tiens, répare-moi s'il te plaît. Il va les mettre en tôle. Du coup, comment je fais pour avoir la réputation? Ça c'est la question. Boost your reputation by starting fights or team people will really get noticed you, but breaking things is a good place to start. The more damage you can cause in one fight, the better. Okay. Leave no witnesses.
If a guard spots you in fighting, you'll get punished for it. Unless, of course, they are no longer around. Getting knocked out looks bad, you're better off ending a fight on your own time. D'accord, donc en gros, il faut taper sur les trucs. Et le plus discrètement possible. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de la merde. Du coup. Oh là là! Augmenter les points. Est-ce qu'on peut creuser? What? Casse-toi! J'ai juste tapé dans mes chiottes! Qu'est-ce que tu m'as fait chier? J'ai le droit de taper dans mes chiottes! Bon, du coup, j'ai accéléré le temps. D'accord, donc là il va aller me heal. Ah, et donc là on peut prendre des trucs. Il y a moyen de prendre des trucs si on se déplace dans les bâtiments. D'accord. Ok, donc il y a des trucs à faire quand même. Voilà, ça va être un peu long. Mais putain, arrête de me balader, c'est bon, j'ai compris. Ça doit être tellement chiant en fait d'être emprisonné dans ma prison. Il passe plus de temps à me balader qu'autre chose. À mettre en quoi? Cellule de confinement? Oh, c'est lourd. D'accord, et là j'ai changé de cellule. Ok. Donc là le tout c'est de casser les trucs le plus discrètement possible. C'est faisable. Y a moyen. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un peu. Je vais éviter de taper sur les trucs. Ça peut être une mauvaise idée. Putain, merde! Ah. Oh, ça y est. D'accord, mais vraiment, il faut pas cliquer en fait. Cliquer, c'est juste la mauvaise idée possible. Ah la vache. Pas sympa tout ça. Bon, tout ça, ça me laissera le temps de d'atteindre les 7h du matin pour le réveil. Bon, j'ai 2 points de répute. Je peux parfois résister au taser. Oula. Le mec, ça devient des warriors. Allez, je vais pouvoir sortir maintenant. Allez, on va aller casser des trucs. Le tout, c'est de le faire discrètement. Là, il y a du monde. D'accord, je me suis laissé faire, c'est bon. 1 heure. Je me suis... Oula. Putain, des meutes. Mais je voulais en faire partie, moi, cette émeute. Elle est où? Ça hurle dans tous les sens. Ouh. Attendez, mais moi, je vais en faire partie, cette émeute. Wesh. Ah, je me suis fait mettre inconscient tout de suite. C'est débile. Ils ont carrément appelé le SWAT et tout, c'est n'importe quoi. D'accord, ouais, donc c'est pas simple en fait d'arriver à monter sa réputation de manière... bah, là aussi je joue comme un taré, hein. Je vais en mode YOLO en permanence. C'est pas très intelligent ce que je fais non plus. Hein. Bon, ce qui serait gentil c'est qu'il me range. Qui me mettent au truc de soins à l'infirmerie là. C'est un bordel. C'est tellement un bordel. Et puis les mecs sont morts. Il va y avoir un cadavre ici vu que ça se ferme pas.
Bzzz. Le bon taser. Le bon taser. Là, ils vont commencer à ranger les gens. Bon, bah, je vais vous skipper la séquence, évidemment. Ah, j'en ai pour 7 heures de confinement. Oh, ça va être long. Ça va être tellement long. En plus, il faut déjà qu'ils me soignent. Pas tout de suite. Ouais, c'est clair que j'avais pas une infirmerie assez grande pour gérer tout ça. C'est là aussi qu'on voit les défauts de la prison. C'est que là, les mecs, ils vont rester 3 plombes inconscients. Ça parce que j'ai une infirmerie qui est trop petite. J'en ai pas assez. Ça peut être pas mal en fait de faire un escape mode de temps en temps pour voir comment se débrouille la prison si tu la laisses, si tu la laisses tourner et si tu essaies de t'évader dans la prison. Voir à quel état ça donne. Ça peut être pas mal. Ça y est, j'ai enfin pouvoir faire quelque chose. C'est pas trop tôt. J'étais sur un gag là en attendant. C'était un peu long. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que j'aille taper sur des trucs. Oui, d'accord. Le tout, c'est taper sur des trucs, mais discrètement. Sur quoi est-ce qu'on pourrait taper? Oula! What? Ah oui, mais c'est la nuit, c'est vrai que je dois retourner à ma cellule. T'as les mecs qui sont venus me chercher. Non mais je vais partir, laisse-moi. Lâchez-moi, monsieur. Yamete konasai. Yamete. Oula, j'essaie de rentrer dans le mur, là. D'accord. Bon bah, c'est reparti pour la nuit, alors. Ah bah voilà, je vais enfin pouvoir faire quelque chose. C'est cool. Parce que là, ça fait 3 plombes que j'attends, en vrai. Allez, ouvrez-moi. Il y a quelqu'un, on va éviter. Non, là, il y a du monde. Mauvaise idée. Là aussi, il y a du monde. Oh, ça se fracasse, là-bas. Je me casse! Bon, allez. Je me suis vendu. En vrai, c'est trop dur. C'est vraiment très très dur. Hein. Arriver à faire quelque chose dans ma prison actuellement, il n'y a pas vraiment d'angle mort en fait. Du coup, c'est un peu embêtant tout ça. Pas franchement d'angle mort dissoignable. Je sais pas trop quoi faire. Je me cale dans un endroit où je peux me déplacer, mais... Et casser des trucs en toute sérénité. Quoi? C'est le mec qui m'ont remis sur le... Donc là, ils ont pété la table. Oula! Ça se tire dessus! Mais arrêtez! Arrêtez, les gens! D'accord. C'est la morgue, je pétais la morgue. Bon, en vrai, c'est pas hyper fun, j'ai pas l'impression de pouvoir faire grand chose dans ma prison. Du coup, je pense qu'on va... On va arrêter là, je vais juste tenter une dernière tentative d'évasion là, en mode YOLO. Et bon, si j'y arrive, c'est bon, si j'y arrive pas, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai encore pour 3 heures de confinement, ça va être un peu long, je vais encore couper. Voilà, c'est pas hyper fun comme mode de jeu en vrai, enfin dans l'état actuel. Pas assez de possibilités. Il y a juste pas assez de possibilités. Par contre là en fait je pourrais me barrer. C'est pas hyper bien foutu leur truc quand même. Oup. Oup. Yip. Yip. Je l'ai fait trop chier. Enfin voilà, je vais encore couper un petit peu. Le temps que je sorte de... Du confinement. Allez, dernière tentative de YOLO, on va essayer de se barrer. YOLO! Ah, le meilleur score du monde. J'ai fait un plus gros score. Pas fait de victime. Ok, d'accord. Bon, bah voilà.
Bon bah c'était le deuxième et dernier épisode bonus de cette série, j'espère que ça vous aura plu, c'était différent de celui d'avant. Hein. Voilà donc dans 4 jours nouveau let's play, j'espère que ça vous plaira, je sais plus sur quoi il est, je l'ai déjà fait mais je sais déjà plus sur quoi il est, c'est grave. Sur ce j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et donc on se retrouve dans 4 jours pour un nouveau let's play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.